ça plus tard. Salut Sarah, salut Julie. Bonsoir Soso, comment vas-tu? Salut Tom. Merci Julie pour les roses. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Shalom, ça va ou quoi? Coucou Eva, Emma. Ça va, nickel, nickel, nickel. Comment tu vas Vanessa, ça va ou quoi? Salut, salut. Salut Gana, salut Apolline. Non, je suis pas le mec de la dynamique XM, non. Non, c'est pas moi. Ok, allez les amis, installez-vous. On va partir jusqu'à minuit aujourd'hui. 1h30 de live, on est parti. Donc installez-vous confortablement. Et on finit. Voilà les amis, ok. Allez, regardez, on va commencer aujourd'hui avec... les petites éponges. On va commencer avec les petites éponges. On va sortir la grosse aussi. Et on y go. On est parti. Allez, profitez. On est parti. Un gros dodo. Mettez bien les écouteurs. Si vous voulez faire un gros dodo. Salut Nadège.
Heureusement, merci. Pas moi, malheureusement. Pas de soucis, Max. Des bisous à toi. Bonne soirée. Merci pour les roses, Axel, merci. Je ne suis pas lui.
questions à vous poser à la fin du live, les amis. On parlera un petit peu. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Coucou Alicia, comment tu vas? Merci pour les roses. Les amis, on va faire un peu de slime, les chats, le chien, tout le monde va bien à la maison, tout se passe bien. Tiens, tu me sors un nouveau slime s'il te plaît. Mademoiselle. Dégage. Sors-moi un slime. Non, papa elle est en bas. Poule elle est en bas. Lulu elle est en bas. Reste en bas. Soul est là. Ah, Soul est là. Mais
si vous venez faire un gros dodo, mettez bien les écouteurs, profitez. Pour info, merci pour les roses. Merci hein, pour les roses, c'est gentil. Pour info, on coupe le live à minuit aujourd'hui. Alors, si niveau revenu, c'était dur pour acheter une maison. Alicia, si tu veux, on en parle à la fin du live. On en parle à la fin du live, c'est compliqué à expliquer, mais on en parle à la fin du live si tu veux. C'est les examens, c'est maintenant, ouais. Dur, parce que je prends un heure, je sais pas. Ah, minuit, les amis, à minuit. Donc à 23h30, 23h45, on se pose et on discute. Comme on fait d'habitude. Bon, ça me saute, ça fait que de bouger. Là, c'est bon, ouais. C'est bon. Ça va le faire. On se met un petit peu de pluie. Ouais, une petite session de pluie. Ah, vous savez quoi, on va même faire la colle. On va faire un petit peu de colle. Et on fera la pluie par la suite. Vous êtes chaud, on fait ça. Je vous coupe le micro, genre ouais, une trentaine de secondes, le temps d'installer ce qu'il faut. Ok. On commence par la colle. Et on fait la pluie. Merci Jason pour les roses. Salut Afro. Je reviens.
Thank you.
Sahara. Il était beau, mais ça me correspondait plus. Je trouvais ça bizarre, la forêt ou quoi. Je préfère revenir sur un truc simple comme ça. Je préfère. Voilà. Thank you.
pense à ça. À la suite. La pluie et la colle, on va faire les boules comme ça. Tu te rendors et ton SMR, pas du tout. J'écoute pas du tout ce que je fais. J'aime bien faire, mais écouter moins. Mais j'aime bien faire, mais pas écouter. Chacun son truc. Ok, 30 secondes, excusez-moi les amis, 30 secondes, je vous enlève ça et on passe à la suite. J'arrive. J'en ai mis partout. Alors, je vérifie juste si j'ai pas loupé des dons, des questions. Non, c'est bon, j'ai loupé des essais de regarder les autres pour t'inspirer. Bien sûr, nana, je vole tout. Moi, je suis un voleur, je suis un shipper. Non, je regarde personne. C'est rare. À part si je tombe sur les lives, ça fera de la confusion, ça. De quoi qu'est-ce que je voulais dire? À part quand TikTok, vous savez, quand on sweep, on retombe sur les lives en général des gens qu'on a déjà ratés une fois ou deux. Et ils nous remettent très souvent, c'est très... Ça c'est, je sais pas pourquoi. Bref, et j'en ai mis partout. Et ouais, des fois je vois des gens, mais en général, non, je regarde pas. Moi je suis plus en mode, je tape mon petit délire tranquille entre nous, et après, on se revoit, tout simplement. Merci Maxu. Hop, allez vers 4, Amandine. Ces petits trucs que tu voulais tant. Le son est vraiment pas mal, ouais. C'est quoi ton boulot après l'ASMR? T'as quel âge? Alors, c'est avant l'ASMR, mon travail. C'est je suis livreur. Maxi, merci pour les jumeaux. Merci. Merci, l'ami, c'est super gentil. Franck, waouh, wow. Regarde les amis, il y en a trop là. Il y en a trop, on recommence.
reçu. Merci pour la grue. Merci l'ami, ça fait plaisir. Et Franck, le chapeau et moustache. Merci frérot, ça fait plaisir. Merci à tous les deux les gars. C'est super cool. Merci à vous, à tous les deux. Merci, merci à vous. Et Vazdad, merci pour les TikTok. Merci. C'est gentil à vous les gars. Et puis merci pour ce que vous faites, c'est cool. Il sert à quoi tes écouteurs si tu écoutes pas ce que tu fais? J'écoute ce que je fais. Je m'entends. Et heureusement, parce que sinon je pourrais faire genre. Je pourrais faire comme ça et parler dans le micro et avec du souffle, genre. Souffler, ça ferait. Ça emmènerait tout le monde. Heureusement, je m'entends. Ce serait compliqué sinon. T'as laissé mon pote vous dormir. Depuis que j'ai repris l'autre boulot. Pour la petite couronne. Thank you Anna for the king, little king. Thank you. Et merci pour les roses, Spice. Merci, merci à toi. Non mais c'est fait exprès, ils arrivaient pas invitable comme ça, c'était bien. Merci. Ça me fait rire ce bruit. C'est net.
pensée Amber Heard, ça dégage. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien entendu. J'avais cette impression quand j'étais ado. Tu gères la fougère. Ça sert à rien de demander. Tiens, j'ai fini cours. Enfin, ça fait plaisir. Les examens. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, faut que j'arrête de taper ce truc. T'as bronzé, on est d'accord. Ouais, parce que je suis toute la journée dehors. Il fait chaud. Il fait chaud terrible, mes amis dehors. En fait, j'ai bronzé. Pardon. J'ai bronzé le bronzage livreur.
s'appelle Sarah et elle est juste à côté. Ça va, Morgane? Comme d'hab, les amis, tu connais Saint-Gaudens? Ouais, c'est pas très loin. Comme je vous le dis régulièrement, mais si vous voulez m'envoyer des petits messages sur Insta, c'est avec plaisir que je réponds à tout le monde. Donc, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Si vous voulez me parler, y a pas de souci. Je suis un mec comme vous, donc avec plaisir, je réponds à tout le monde. Tu vas de quoi comme sport? L'e-sport à la limite. Tiger, c'est le sablier. Juste le fait que tu l'aies dit, Amandine, ça veut dire que tu veux que je le fasse. Et bien écoute, j'en ai un nouveau. Tu vas le kiffer. Toi, c'est le pudding. Ouais. Ton prénom, c'est Michael. Donc merci. C'est gentil, merci à toi. Non, je répondais à quelqu'un. Ah, ben c'est dommage. C'est quoi les bruits blancs? Je sais pas, c'est quoi les bruits blancs? J'en sais rien, c'est quoi les bruits blancs? Les bruits blancs? Blancs? Non, je sais pas. Bruits blancs? Je sais pas. Regardez, les amis, pour vous montrer que j'ai repris la livraison, regardez, j'ai une ampoule ici, là. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. C'est pas une ampoule, mais en gros. Comme ça, et baisser avec ça, et ça s'affrontit. Voilà. Je vais avoir un temps. Profite alors, profite. Tu as fait de nouveau trigger depuis beaucoup, très peu. Très peu. J'avais les éponges comme ça. On avait trouvé ces petites éponges, ça, qui les a. Oui, ça fait comme de la neige quand on marche dans la neige. C'est pas mal comme truc. Oh oui, il y a quelques trucs, mais on les sortira. Attendez, je vous fais une photo. Regardez, elle est en train de canner. Ah, attendez, je vais vous mettre un flash. Vous verrez mieux avec le flash. Par contre, qu'est-ce que c'est relou, ça. Eh ben, gna gna, il faut que gna gna. Hop, voilà. Regardez, une micro-pop. Elle est posée, elle est en train de dormir. C'est une micro-pop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire? Sarah, elle a réussi à laisser son plat de café là. Je la def. Elle est insupportable avec ça. C'est papy, elle est insupportable. Vous êtes insupportable, les filles. Vous arrivez, vous posez vos affaires et vous vous en allez. Comme si quelqu'un derrière allait passer et le ramasser à votre place. Bande de relou. Je sais pas quoi vous faire, mais j'avais une idée, mais c'était quoi? Ah oui, je vais être. Moi j'y crois pas, vous êtes toutes pareilles. Oh là là, c'est cliché. Là. Ça m'appelle des souvenirs, Pépi. En réalité, ça n'appelle pas Poppy, elle s'appelle Pipa. Mais Poppy, c'est plus marrant à dire. Elle s'appelle La Flemme. Non, mais c'est sûr, elle s'est dit, ouais, tranquille, il va redescendre de toute façon, donc il va le descendre. C'est sûr, il faut que je me coupe les cheveux là. C'est la livraison, regardez la différence entre là et là. Genre, regardez mon visage là et là. En fait, vu qu'on est en t-shirt, qu'il fait chaud et qu'on est toujours dehors, eh bien on a le bronzage livreur, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai une gueule de débile. Pareil, les cheveux. Là, je suis arrivé, je me suis mis la tête sous l'eau et je me suis rattaché les cheveux, c'est tout. Merci pour les roses.
se passe bien. Pas cool. Attends, mais j'ai oublié. Non mais celle-là. Même Nini le dit. Elle a dit quoi Nini? C'est clair, c'est mieux attaché. Ah, oh, vous êtes pas cool. Les filles, vous êtes pas gentilles. C'est pas cool. C'est attaché, c'est parfait comme ça. Regardez la longueur. Ça pousse. Ça pousse terrible. Ah non, ça pousse terrible. Et je fais Jésus de ouf. Je fais Jésus de ouf quand je les emmène. Ils sont plus longs que les miens. Désolé. Mais c'est pour faire les dreads, les amis, cet été. On est quoi? On est en mai, on est fin mai, je crois. Ah non, on est 1er juin, vous voyez. Et bien, c'est genre entre juin et août qu'on va faire les dreads. On va faire des petites dreads, ça va être cool. Ça va être cool. Attendez. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? On reste dans les bases. Ah non. Ton anniversaire c'est ce week-end. Mais regarde. Je vais te donner ton cadeau maintenant. Hop, regarde, tu connaissais celui-là. Eh bien, il y a celui-là maintenant. Merci Anna. J'ai le temps de réfléchir à des cadeaux. Oui, Emily, oui. T'es large. Oh, pardon. Ça, je sais pas, un bug encore. Le tic-tac, ça bug tout le temps, donc si je vois pas tous les messages, c'est normal. Après, il y en a, des fois, il y a pas mal de messages qui arrivent d'un coup, donc c'est possible que je les vois pas non plus. T'avais tout le monde là, ouais, je crois. Je crois. Mais c'est juste, c'est juste à cause de toi. Envers par rapport à votre couronne là.
Je crois qu'elle disait...
Vas-y, porte plainte, on verra combien de personnes vont te croire. Moi, Johnny, je subis des violences conjugales. Quand j'ai entendu ça au procès, et là, ils sortent. Et là, voilà, c'est retour du bâton, tout simplement. Il me semble que t'as payé une hyper grosse somme. 15 millions, je crois. My dog, c'était pas mes pays. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Les amis, installez-vous, installez-vous. On va se poser, on va parler un petit peu. Surtout la tête qu'elle a fait avant, on dit Marita, c'était Konabi. Ouais, elle a fait genre. Comment ça là? Pouf. Non mais c'est une actrice, elle, c'est terrible. Non mais il y a eu des trucs, mais c'est incroyable. Mais on va en parler un peu. On va se marrer un peu, les amis, on va se marrer. On va se marrer un peu. Genre parce qu'il y a eu des trucs en vrai, c'est incroyable. Elle est partie dire. Le pire, c'est l'avocate. L'avocate, elle est incroyable. Elle a chié sur le lit déjà. C'est pas un truc de barge, ça. Elle a chié sur le lit. Qui fait ça pour se venger? Qui chie dans un lit, les amis? Dites-moi, levez la main. Je sais pas. Y a son avocate qui disait qu'elle avait en gros en gros elle se faisait battre par Johnny Depp, et pour cacher ses blessures, en gros elle se maquillait avec une palette de maquillage, bref, et en gros c'était assez sale là qu'elle disait, mais ils ont forcé sur cette truc. À quel point c'est mensonge, c'est terrible. Et là, c'est celle-là que je disais. Et là, on regarde, ça s'est passé genre en 2017, en 2016. Et là, le truc, elle est sorti, la plaquette, là, le maquillage, elle est sortie un an après. Mais fou, elle est payée. Non, mais attendez. Non, mais tu prends ton livre et toi, c'est chaud. Non, mais non, c'est chaud. Oui. Mais l'avocate, quand même, elle est payée 6 millions, je crois. Elle a été payée pour être son avocate pendant 3 semaines. Et elle n'est pas capable d'aller regarder. Quand est-ce que son truc de maquillage il est sorti, quoi? C'est barjo. Non mais c'est barjo. Il y a eu tellement de trucs comme ça. Ah ouais, c'est un amour, ce mec. Après chacun pense ce qu'il veut. Moi j'étais pour lui après. C'est vrai que 99% des gens sur Internet sont pour lui. Maintenant. Après le truc c'est que y a rien qui va dans son sens. Ah, c'est ça. Mais s'il faut les amis, on sait pas. La justice a pris sa décision. Mais s'il faut, elle dit totalement la vérité. Mais moi, j'y crois pas. Il y a trop de mensonges dans tout ce qu'elle a. Dans tout ce qu'elle a fait. L'avocat pensait qu'elle était à Dubaï. Pas mal, pas mal. Merci Cross pour les roses. Merci à toi. Tu as des motos ou pas? Ouais, mais ils se font petits là. Ils se font petits. Les motos là, ils sont pour Amber Heard. C'est pour ça, ils parlent pas. Ils parlent pas parce qu'ils sont pour Amber.
C'est début du live. Oula, pas du tout. On va s'arrêter dans une vingtaine de minutes. Mais ouais, non, ouais, ce procès là, il était très très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je suis pour personne. Tu as bien raison. Mais ce qui est dommage, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est passé des choses. Et que après, en gros, par exemple, le premier jour, puis pratiquement à la fin, oui, il le dit, ouais, c'est la fin, il nous reste 20 minutes. Profite des 20 minutes. En gros, dans les premiers jours, il disait, je n'ai jamais frappé Johnny. Et une semaine après, oui, j'ai frappé Johnny. Et ça, c'est incroyable. Genre, elle se démentait sur plein de points pendant plus le procès avançait, plus elle était là. J'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah non, j'ai pas fait ça. Genre, elle est partie dire que avec son procès qu'elle avait eu contre lui déjà il y a quelques années, Max, je te vois, avec son procès qu'elle a eu il y a quelques années, elle avait gagné, en gros, 7 millions avec Johnny Depp, en gros. Et bref, et ces 7 millions, elle avait promis qu'elle les donnait à des œuvres caritatives, en gros. Elle est partie sur la télé dire, ouais. Merci pour le blague, ça va ou quoi? Merci pour toi, étudiant, c'est cool. Et elle est partie dire en gros, attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, elle est partie dire à la télé que elle voulait. Qu'en gros, l'argent avait été viré. Que c'est bon, elle avait donné à des associations tout l'argent. Et en fait, non, elle a pas donné un centime. Et c'est incroyable. Et au final, c'est même pas elle, c'est Elon Musk qui a fait un don de sa part. C'est une histoire de fou. C'est Elon Musk et Johnny qui l'ont fait. Mais elle, non, elle a rien sorti. Elle a pas sorti. Hein. C'est pas un jour. Pareil, ils ont demandé, les avocats de Johnny Depp, ils ont demandé que Kate Moss, elle vienne au procès pour témoigner. Enfin, qu'elle témoigne. La cour a décidé, elle a dit non, ça sert à rien. Kate Moss n'a rien à voir dans cette histoire, donc non. Ok, pas de soucis, ils ont dit ok, tant pis, ils feront témoigner d'autres gens. Et là, c'est pas Amber Heard qui a parlé de Kate Moss. Non mais. Quand elle a dit Kate Moss, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai suivi de ouf, hein, cette histoire. Je sais pas si vous avez vu, mais l'avocat, le gars, il s'est retourné en mode. Oh! Et la série du poing était là. Ouais. Non mais. Elle a rien donné, c'est juste en disant. Non mais je fais une promesse dedans. Ça a commencé par quoi pour qu'ils arrivent à tout ça? En gros, il y a 3-4 ans, elle a dit dans le Washington Times, un gros truc, t'as compris, comme TF1 quoi, elle a dit qu'elle avait subi des violences conjugales, mais elle a rien dit de plus. Mais tout le monde s'est dit que c'était. T'as vu sa réaction, c'était ouf. Full black, faut te calmer, frérot. Qu'est-ce que tu fais avec les haltères? J'avais pas vu. Tu vis bras murés, toi, non? Comment tu sais? Face troll, comment tu sais? Putain, mais t'es fou, frérot. Merci pour tes haltères, c'est trop cool. Il est fou. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais donné un bon fin d'année. Bonne nuit à toi, Emily. Bonne nuit à toi, dors bien. Et ça va le faire pour demain, t'inquiète. Il me vole mes dons. Ah bon, Elodie? Bref, les amis, j'avais une autre question à vous poser. Si elle finit par citer l'idée dans l'article, et c'est pour ça qu'elle a porté plainte. Oui, voilà. Ah, au final, elle a fini par le dire. Et en gros, lui, il a porté plainte pour. Oui, désolé. Merci pour. Attends, frérot, je sais pas, tu passes des fois devant le collège. C'est pétance. C'est rare, ouais, c'est vrai qu'on y passe, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, au final, donc lui il a porté plainte pour diffamation et elle a rétorqué, elle a porté plainte pour. Tu vois, mes appels, c'est bon, je les ai vus. Elle a porté plainte au final pour violence conjugale et diffamation aussi. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ah, pardon. Excusez-moi, les amis. Alors, les amis, passons. C'est à cause d'elle. Non mais le pire, moi ce que je retiens de ouf, c'est qu'elle lui a quand même sorti au téléphone.
Elle lui a dit, vas-y, porte plainte, on verra, il y a combien de personnes qui vont te croire. Moi, Johnny Depp, je subis des violences conjugales. Mais elle lui disait comme ça en mode, elle se foutait de sa gueule, elle était là, vas-y, porte plainte, t'as cru qu'il y a qui allait te croire. Et c'est vraiment comme ça qu'elle disait. Et là, elle a un retour de karma incroyable. Et c'est ça qui me tue de rire. C'est que la meuf, elle a trop parlé. Et là, elle a un retour de karma. Et là, alors moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que je pense pas qu'aujourd'hui, on ait le droit de se faire harceler comme ça. C'est pas logique, ça. C'est pas du tout normal. Moi, je cautionne pas tout ça. C'est pas normal. Le truc, c'est qu'en fait, elle a fait en sorte d'en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle qui s'est mise dans cette position. Moi, ça tient qu'à moi. On va dire que je serai les 7 milliards de personnes. Elle se débrouille, je m'en fous. Je vais rigoler avec les 7 millions de personnes, mais je vais pas aller la voir pour l'insulter, pour la menacer de mort, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous pareils. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller. Elle lui a foutu sa vie en l'air. Ouais. Mais elle se l'est mise en l'air aussi. Je pense qu'elle a voulu qu'on parle d'elle. Mais alors, ça lui a servi. Et non, ça lui a desservi, je pense. Parce que là, maintenant, elle est connue, mais elle n'est pas connue pour la bonne chose. Après, les amis, chacun pense vraiment comme il veut. Moi, je pense que c'est pas normal. De se faire harceler pour ça, mais de se faire boycotter, oui. C'est-à-dire que maintenant que voilà, on a vu son vrai visage, plus de production, plus de films, plus rien, elle devrait se faire boycott. Elle reste avec c'est le reste de ses millions qu'elle a, et elle devrait plus aucune production ne devrait la prendre. Ça me paraît logique. Par contre, après que les gens se moquent d'elle ou quoi, écoutez, c'est le regard des autres, ça. Moi, je pourrais avoir un harcèlement de ouf sur internet, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire, excusez-moi. Rien à faire. Par contre, que les gens viennent chez moi, m'envoient des messages, des mails, des lettres, ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est pas bon. Un rancher, pas. Ouais, c'est sûr. Un rancher, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fonctionne comme il pense, comme il veut. Bref, les amis, arrêtons de parler de ça. J'ai une deuxième question à vous soumettre. Avez-vous vu? Ouais, voilà. C'est ça. Avez-vous vu qu'il y avait un nouveau système de d'abonnement? Je vais aller en même temps avec vous sur TikTok, sur le compte de la demoiselle, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors attendez, je vais voir. Il y a plus de place sur ton micro, toutes ces aiguilles. Ouais, j'en ai trop mis, ouais. Attendez, je me déco de mon compte, je vais aller sur le truc. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un nouveau système de. Il y a un nouveau système, ouais. Moi, j'en ai une, j'espère que tu vas me ça fait longtemps. J'en ai une, de quoi tu parles? En tout cas, Faux Black, merci pour toutes tes haltères, ça fait plaisir, héros. Merci à toi. C'est gentil de ouf. Jeannette, merci pour les roses. En gros, il y a un nouveau système de. Je sais pas si vous avez vu, en gros, il y a une étoile en haut. Abonne-toi. Alors, vous savez quoi? Nous avons vu. Je l'ai pas encore vu. Excusez-moi, ça a bugué. C'est bon, ouais, c'est bon. Alors, je vais lire en même temps que vous pour voir, parce que je connais pas. Et si on crée une communauté de dormeurs par ici? Ah, mais ça, c'est Sarah qui l'a écrit. Elle m'a dit, tu auras ton badge à côté dans le des qui sont. Merci à toi, petit dormeur. C'est mignon, ça. Avantage, emoticon, badge, chat, cadeau. Des cadeaux. Des cadeaux. C'est pour les cadeaux. Obtiens un badge. Attendez, excusez-moi, je lis. Coucou, Yvan. Obtiens un badge alors que tu abonnes. Améliore ton badge quand tu as atteint des jalons d'abonnement. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 60. Aïe, au taquet truc. Accès à une nouvelle version de la lot que vous pourrez utiliser à tout moment pendant ton live. Oh, trop mignon. C'est cool. Débloque des cadeaux pour le live de cet hôte. C'est gentil ça, c'est cool. Ok. Ça, les abonnés peuvent commenter si l'hôte définit le live en tant que chat exclusif. Ah, ok. D'accord. Attendez, c'est quoi ça? Sélectionne une formule. Renommement. Ok. Ok, d'accord. Bon, mais les amis, c'est bon, j'ai vu ce que c'était. Bah, c'est cool pour les créateurs, et t'as raison, Elodie. Alors, je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oh, Jérém, ça va ou quoi? Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, ça va ou quoi, Jérém? Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez un petit peu de ça, là, de ce truc d'abonnement, là. Mais vu que c'est payant, des jeunes font. Prendre la carte de leurs parents. Ça, j'y peux rien, Elodie. Avant, je faisais attention à ça. Maintenant, j'ai compris qu'on n'y peut rien.
leur dise ou qu'on leur dise pas, tu t'es pas une pharmacie aujourd'hui. Où ça? Où? Ça va, Jérém, ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ce truc d'abonnement, là? C'est payant. Ouais, ouais, j'ai vu que c'était payant. C'était genre 6 balles pour s'abonner. Il y a plein de petits avantages. Merci, Elda, pour les roses. Thank you, Elda. Thank you, thank you. Ça fait plaisir de vous voir. Ben, nous aussi, Jérém. C'est cool que tu sois là. Il nous reste une dizaine de minutes. Installe-toi avec nous. Je trouve que ça ressemble trop à Twitch. Mais je pense que c'est, fait, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est une manière de fidéliser, je pense. Je pense que c'est une manière de fidéliser, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que ça te revoit. Moi c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais, tu as raison, tu as sûrement raison. Donc cool, c'est créateur, cool pour les cartes mais des parents donc mitigés. Ouais, Elodie, je suis d'accord avec toi. En fait, le truc c'est qu'on... Enfin, moi personnellement, j'ai plus rien. J'ai toujours... Enfin, virgule, grand... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Désolé, frérot. Moi, en fait, je suis mitigé. Tu gagnes quelque chose, c'est TikTok qui empoche. Non, mais je gagne quelque chose, c'est sûr. Je pense que sur les 7 balles ou 6 balles, je dois prendre au moins la moitié. Je pense. En vrai, deuxième moins cher, je suis grave chaud. Ah, pourquoi pas, ça donne encore un plus pour nous. En gros, ben, allez regarder dans les abonnements, l'étoile, je vous laisse regarder. Mais en gros, moi je prends ça de deux manières. En fait, déjà, Elodie, ce que tu sais par rapport aux enfants, moi j'ai compris que maintenant j'y peux rien à ça. C'est-à-dire que sur les 7 euros, tu dois pas avoir grand-chose. Je sais pas, faut voir. En fait, faudrait qu'on ait un abonnement pour voir combien on y gagne en soi. Faudrait qu'on l'ait pour voir. Ça va plus récupérer 80% quand même. Ouais, ce serait bien. Mais au moins, ça sera quelque chose pour nous, quoi, et pas que pour TikTok en soi. Ça, je suis d'accord. Mais désolé, j'ai un peu le nez bouché. Mais en gros, j'ai compris que, en fait, j'ai beau faire de la prévention à chaque live en disant, faites attention, les mineurs, je veux pas votre argent, je vois quoi qu'il se passe, s'ils ont envie de le faire, ils le feront. Donc, je vais pas crier sur les doigts, hey, donnez-moi de l'argent, ça pas du tout. Mais que je le répète à chaque fois, ça fait 9 mois que je le répète à chaque fois. Je pense que vous l'avez trop entendu, faites attention à l'argent. C'est encore de la thune pour TikTok. Bah, c'est une manière de gagner de l'argent. De toute façon, c'est une entreprise, un TikTok. L'objectif, c'est qu'il. Enfin, alors, j'ai dit c'est gagner de l'argent. Maintenant, je vais faire te donner 7 euros. Que sur les 7, tu gagnes 3-4 euros. Ben, donne 7 euros, Elodie, donne 7 euros. Non, en vrai, moi, je trouve que c'est deux. Il y a deux manières de voir la chose. La première, on va dire que. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est une manière de fidéliser. Monsieur YouTube, comment tu vas? Ça va ou quoi? C'est une manière de fidéliser un petit peu son public, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment, entre guillemets, soutenir la personne qui est le créateur, on va dire, eh bien, c'est une manière de le soutenir. C'est-à-dire que, imaginons, les amis, il y a 100 personnes. Il y a 100 personnes qui prennent ce truc-là à 6 euros. Moi, ça veut dire que tous les mois, je sais que avec ce que je fais, ben, je vais gagner 600 euros par mois. En fait, tu fais ton live tranquille, est-ce que les gens voient, tu t'en fous, si c'est leur carte ou pas. Je peux pas savoir, en plus je peux pas vérifier, donc vous voyez ce que je veux dire. Attendez, excuse-moi. Et en fait, ça fait que moi à la fin, un peu comme sur Twitch, c'est-à-dire qu'on devient réellement genre professionnel. Le fait d'avoir des abonnements, c'est un peu comme... Ciao, Vlol, ciao, des bisous, merci pour les alters, frère, ça fait plaisir. Des bisous à toi. Et ça fait vraiment genre... Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ça fait vraiment comme des clients, vous voyez ce que je veux dire? Genre par exemple, il y a 100 personnes qui s'abonnent. Ça veut dire entre guillemets qu'on a 100 clients. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les bons mots que je donne. Mais voilà, et ça rend la chose plus professionnelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en gros... Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on gagnait avec les réseaux, c'est ce que vous nous donniez. Là, avec les abonnements, ce serait différent. Entre guillemets, on peut dire que c'est un salaire fixe. Voilà, ça fait un salaire fixe. C'est ça. Et entre guillemets, on peut dire que ça va nous... Enfin, nous s'il y a des gens qui s'abonnent, moi, je vais plus le prendre comme une récompense et comme la personne qui voilà, montrer son intérêt sur le fait qu'il aime bien le contenu qu'on
c'est un métier. Bah oui, c'est sûr et certain. Moi, je trouve ça plus, voilà, c'est une manière de montrer l'intérêt que la personne porte au créateur. Moi, je le vois comme ça en premier. Après, il y a aussi le fait que 6 balles, ouais, ok, mais faut voir, pareil, si les 6 balles, vous avez envie de les donner. Oui, mais faut voir combien TikTok prend. C'est toujours la même chose en fait. TikTok, il prend énormément à chaque fois sur les dons. Il prend énormément, je pense aussi sur ça, je sais pas. Faut attendre qu'on envoie pour. Si on suit plusieurs personnes, plusieurs abonnements. Oui, aussi, oui. Donc en vrai, je sais pas. En vrai, les amis, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de vous abonner. Nous, on va s'occuper de ça. On va mettre plein d'émojis, on va mettre plein de petits trucs pour que ça rende la chose cool, entre guillemets. Maintenant, après, si vous avez envie de le faire ou pas, ça, chacun fait comme il veut. En tout cas, si vous avez envie de le faire, le bouton, je crois qu'il est par là. J'ai vu qu'il était à peu près par là. Ouais. Mais c'est comme vous voulez. Y a personne qui est obligé d'aller s'abonner. Les motos, vous êtes obligé d'aller vous abonner. Non, vous n'êtes pas du tout obligé de vous abonner, les amis. Vous faites ce que vous voulez. Les horaires, les horaires sont différents. Du coup, il live plutôt. Oui, exactement. On live plutôt. Payez quoi? Non, plus à droite. Là, alors. École, collège, lycée, il y a des pourquoi vous n'aurez pas. Sur l'étoile. À côté de ton nom. Mais en fait, moi, je le vois pas. Moi, là, il y a juste écrit une histoire nanana, avec les likes et c'est tout. Il n'y a rien à côté. Merci pour l'info, dommage. Après, vraiment, chacun fait comme il veut. Si vous avez envie de... Moi, je vous dis, je pense que ce truc-là, je le prends plus en mode. Voilà, c'est plus un soutien par rapport au créateur parce qu'on est sur cette plateforme et que cette plateforme, elle nous donne cette opportunité. Après, chacun fait comme il veut. Si vous avez envie de. Si vous n'avez pas envie de. De le faire, ne le faites pas. Si vous avez envie de le faire, je vous remercierai. Chacun fait comme il veut. Après, ça change rien parce qu'on reste dans le chat et on continue de parler comme ça. Donc, c'est le même système que tu tiens un peu. Ouais, voilà, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, j'avais ça à vous dire. C'est quoi le plus gros don que tu as reçu? Le gros, c'est Universe. On avait reçu Universe une fois. Ouais, c'était ouf. C'est comme pour toute la femme qui évolue. Ouais, voilà, ça évolue. C'est ça évolue. Ça évolue. En fait, ce qui est bien, c'est dites-vous que TikTok ne paye, ça paye pas du tout. Genre, ça donne beaucoup de visibilité, mais ça paye pas du tout. C'est-à-dire qu'on gagne des sommes très très minables avec ce qu'on fait. C'est très petit ce qu'on gagne. Et le fait qu'il y ait ça pour les gens qui font des lives réguliers ou quoi, comme par exemple nous, ce qu'on faisait à l'époque, mais là maintenant, le bowling il est fini. Donc, enfin, les compètes jusqu'à janvier c'est fini. Septembre, pardon, c'est fini. Donc maintenant, on va pouvoir s'y remettre, en refaire 3-4 par semaine. Et bien là, moi en soi, ça m'aide. Et ça aide aussi les autres créateurs pour des gens qui font du contenu régulier en gros. Mais après, comme je dis, chacun fait comme il veut. Chacun fait vraiment comme il veut. Si vous avez envie de me soutenir, entre guillemets, vous pouvez le faire. Sinon, à te voir. Ciao, Mitty. Ciao, des bisous à toi. La nuit, de toute façon, il est bientôt minuit. On va bientôt aller se coucher, aller travailler pour être payé et sa mère. J'ai pas compris. Faut des sous-sous avec l'inflation. Je te soutiens. Hey Kirsty, how are you? Je te soutiens. Merci Elodie. Je te soutiens, Kamadi. Écoute, Joël. Hey Frank. Merci pour la casquette, l'ami. Merci, merci à toi. C'est cool. Alors attendez, les amis. Je vais juste vérifier un truc. Hop, hop, hop. 2 secondes. Hop. Ok. Et ton décor, Mika? Mon décor, Mika? J'ai pas compris. C'est quoi ça, Mika? Sors la débroussailleuse. Non, je l'ai pas. Désolé. Merci à tous d'avoir été présents. C'était un live court maintenant. C'est vrai que je vais pas vous mentir. On devait devoir les cheveux détachés. Je vous les détache juste après. Je vais pas faire des lives de 2 heures. Je pense que j'ai plus le temps pour ça. Quand je vous dis les je commence à prendre un rythme de pas beaucoup dormir. Je dors très très peu en vrai par rapport à avant. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Mais je ferai plus des lives de 2 heures ou quoi, ou rarement en tout cas, on verra. Mais ce sera plus entre 1 heure et 2 heures. Voilà, entre 1 heure, 2 heures, on fera des lives à chaque fois. Pas entre pas de 1 heure à 2 heures du matin, c'est le live durera entre 1 heure et 2 heures. À peu près à chaque fois qu'on fera des lives. Ok? Je vous invite à nous rejoindre sur Insta. Pensez à nous rejoindre sur Insta. On met des stories à chaque fois pour les lives. Donc si vous voulez être prévenu, Instagram, les amis. Sinon, les amis, je vous fais à tous des gros bisous. Merci à tous d'avoir été là. Les motos, je vous fais des gros bisous. Nini, hein, Jérém qui est passé aussi. Amandine, les autres, je me rappelle même pas déjà. Je suis fatigué là, je commence à canner là. Elodie, il fait des stories de qualité, pas vraiment. Thank you, Elda, thank you. Merci à tous les donateurs aussi, les amis, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve pas demain soir, après-demain, genre vendredi, ouais. Vendredi, normalement, on fait un petit live, ouais. Ok. Bonne nuit à tous, amis. Bonne soirée à tous, des gros bisous. Ciao, et dormez bien. Et bonne chance pour les examens. Et à plus. Salut. J'avais oublié les cheveux, regardez. On dirait Jésus un peu, les gars, non? On dirait pas Jésus un peu.